Bonjour à tous. Au sommaire de ce nouveau journal des sports, rencontre croisée avec deux nageurs du secteur qui sont allés défendre leur club au championnat de France de natation. Et puis, Logne tente de sauver sa place en division d'honneur de futsal. Contre Roissy-en-Brie, les Logneaux se sont largement imposés et reprennent espoir. Les deux kayakistes de Torcy, Arthur Leduc et Léo Zougari, ont appris ce lundi leur sélection en équipe de France senior en catégorie canoë biplace. Une sélection qui les mènera au championnat du monde en Bosnie fin mai et à la Coupe du monde mi-juin à Pau. On suivra leurs résultats. Notre chiffre cette semaine, c'est un chrono, 2h, 18 minutes et 46 secondes. Un très bon temps pour un marathon, mais c'est une équipe de 6 coureurs qui a signé cette performance en remportant ce week-end à Ponto l'Equidène du Pack. Ce groupe était très justement baptisé les Invincibles. Romain Mendes et Rémi Guillot, ces deux nageurs du secteur, étaient au championnat de France élite il y a 2 semaines. Portrait croisé de deux espoirs qui ont partagé le bassin de Montpellier avec des champions français en quête de qualification olympique. Ils se connaissent un peu et partagent quelques points communs. Rémi Guillot, licencié à Lagny, et Romain Mendes de Ponto-Roissy étaient au championnat de France élite à Montpellier. Nés en 1998, tous les deux, ils sont en terminale S. Par contre, ils n'ont pas du tout les mêmes spécialités. Romain est dossiste et sprinter, alors que Rémi préfère le demi-fond. Le latinacien a battu son record du 1500 mètres nage libre à Montpellier. Il a frôlé la barre des 16 minutes à 22 centièmes près. Je m'étais fixé surtout d'améliorer mes meilleurs temps, puis de concourir avec les meilleurs Français et je finis dans le top 20 au 1500, dans le top 20 français. Donc c'est ce que je voulais avec le peu d'entraînement que j'ai, c'est ce que je voulais faire. Des perfs en parallèle des objectifs scolaires. Le bac, c'est dans moins de 2 mois. La natation va passer un peu en retrait pendant quelques semaines. La préparation va être adaptée, elle ne sera pas aussi pertinente que s'il pouvait être disponible tout le temps, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec une bonne entente entraîneur et nageur. Pour Romain Mendes, la performance a été de décrocher sa qualification pour les France 2 semaines avant l'événement, 27 secondes 04 sur 50 mètres d'eau. La scolarité les empêche de nager autant qu'ils le voudraient, donc les objectifs sportifs sont parfois un peu minorés. C'est au profit d'un autre élément tout aussi essentiel. Cette année, je nage vraiment pour m'amuser, pour prendre du plaisir et c'est ce que je fais. Donc ça se passe bien, donc pas du tout de pression et puis ça roule tout seul. Et pourtant, pour Romain, ça n'a pas toujours aussi bien roulé. Ce qui était important pour lui, c'est qu'il s'est remobilisé parce qu'il avait le moral un peu dans les chaussettes. Il avait des performances qui n'étaient pas tellement de son niveau et de ce qu'il espérait. Finalement, il a retrouvé le moral, il a retrouvé des performances et je pense que là, il aspire à encore nager plus vite. Aspirer à nager toujours plus vite, un autre point commun entre ces deux jeunes. Encore une chose, ils sont tous les deux intégrés à un groupe d'entraînement, groupe dont ils sont les plus rapides, naturellement, de quoi leur donner un statut de leader qu'ils apprennent à assumer, chacun à sa manière. Les handballeurs de Torcy se sont imposés à Saint-Maur-des-Fossés contre Stella Sport. Dans cette poule de National 2, les hommes de Benjamin Faduil pointent à la 5e place et ils peuvent encore revenir sur le podium. D'autant plus que l'équipe se déplacera ce week-end chez un concurrent direct, Rezé, c'est en Loire-Atlantique. Deux équipes en bas de tableau, mais une seule encore en danger. En futsal, Roissy-en-Brie recevait Logne ce week-end. Et l'enjeu était pour les Logneaux qui se sont finalement largement imposés. Les détails, c'est tout de suite. Les dés seront bientôt jetés. À 3 journées de la fin de saison, Roissy-en-Brie et Logne se retrouvent pour un derby de bas de tableau. En remportant leur match précédent, les Roisséens se sont assurés le maintien. On n'a plus la pression en tout cas du résultat. Mais après voilà, c'est Logne, c'est toujours un derby, c'est 77 et voilà. En plus on a pris un gros score au match aller, donc voilà. 7 buts à 2, c'était en effet le score du match aller. Mais s'il est bien une équipe qui est en danger avant cette rencontre, c'est Logne. Un sans-faute est désormais nécessaire pour se maintenir. Face à une équipe de Roissy fortement remaniée, Logne sait ce qu'il lui reste à faire. Une bonne entame de match, ça fait toujours du bien au futsal. Si on peut prendre 2-3 buts d'avance, comme ça déjà mentalement on pourra...
on pourra un peu relâcher et puis après faire tourner la balle peut-être un peu. Mais surtout pas croire que ça va être un match gagné d'avance. Le message de l'entraîneur de l'Ogne a semble-t-il été bien reçu par ses joueurs. Il ne faut pas plus de 3 minutes pour voir l'ouverture du score. Kevin Robin joue un 1-2 avec Holdan Mensa et conclut d'une frappe sèche. Roissy tente ensuite de se reprendre, mais la justesse technique est du côté des Lognos. Cette fois-ci, Aziari Ahamada décale Holdan Mensa pour le 2-0. On joue alors depuis seulement 6 minutes. La défense roissienne laisse trop de largesse à son adversaire et montre d'évidents signes de fébrilité. La tendance se confirme encore 2 minutes plus tard suite à cette perte de balle. Holdan Mensa rend l'appareil à Aziari Ahamada. L'Ogne ne laisse rien passer et inscrit son 3e but de la partie. Le match est dans un faux rythme et Roissy parvient à se montrer un petit peu plus dangereux en fin de première période, à l'image de cette frappe de Boubou Boigil captée sans souci par Grégory Gomis. L'Ogne rentre au vestiaire avec une avance confortable de 3 buts. On ne rentre pas dans les pointillés. On va dire notre ligne de défense, c'est les pointillés. C'est-à-dire que le défenseur, il doit s'arrêter au pointillé et le gars est dans votre dos, vous coupez la ligne de passe. Gringo, ouais, le Gringo, il leur dit à droite ou à gauche, vous coupez la ligne de passe. Déjà, ça bloque l'attaquant et c'est comme ça qu'on doit travailler. Malgré une stratégie défensive bien élaborée, Roissy réussit à se frayer un chemin et se procure une belle occasion à l'entame de la 2e période. Mais encore une fois, Grégory Gomis sent bien le coup. Jusqu'ici peu inquiété dans ce match, le gardien Lognos apporte le surnombre sur quelques séquences de possession de son équipe. Et ça va s'avérer payant. Sa frappe croisée est déviée par Holdan Mensa qui s'offre un doublé à la 31e minute. L'addition se corse encore un peu plus pour Roissy à la 33e minute. L'Ogne fait tourner le ballon, Youssef Moukfir élimine et sert Vicente Juan Santos Chavez pour le 5-0. Ce derby tourne de nouveau à la démonstration. Et l'Ogne ne va pas s'arrêter là, l'équipe inscrit dans la foulée un 6e but. Youssef Moukfir récupère et se mue une fois encore en passeur pour Aziari Ahamada. Lui aussi signe un doublé dans ce match. Cette fois, le score en reste là, 6-0. L'Ogne peut encore croire en ses chances de maintien. On y croit, de toute façon, depuis le début de l'année, on voulait pas lâcher. Voilà. Là, si on arrive, de toute façon, on doit faire 3 victoires. Donc, on en a déjà fait une, il en reste 2. On a notre destin entre nos mains et à nous d'aller chercher notre maintien. Ce sera que plus beau. Pour ces 2 dernières rencontres décisives, L'Ogne affrontera d'abord l'équipe New Team, puis La Courneuve, un concurrent direct. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans une semaine pour continuer à suivre l'info de vos clubs. À lundi !